Salut les gens, on se retrouve pour une petite vidéo test de liquide. Test de liquide, j'ai été contacté par la société Savourea, par le biais de Violette, qui m'a proposé en fait de faire des tests de ces liquides, de m'envoyer des échantillons et de les tester. J'ai accepté. On est sur une nouvelle gamme qui a été lancée le 10 novembre. J'ai un peu de retard dans mes vidéos, je m'en excuse, je suis un petit peu désolé, je suis un petit peu overbooké. Voilà, donc elle m'a fait parvenir en fait ceci, qui est une petite boîte d'échantillons, dans laquelle on retrouve le fascicule et trois échantillons de liquide. Je trouve ça très 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 joli. J'aime beaucoup le design, voilà, c'est très très mignon, très très sympathique. On est sur des liquides tabac et on va commencer par le tout premier. Ah, si j'arrive à le sortir, c'est le Magistral. Qu'est-ce qu'on nous dit du Magistral via le fascicule? Alors, le Magistral, un voyage authentique et lointain pour ce mélange d'arômes naturels tabac rendant réaliste l'impensable. Teste ça. J'ai testé ça sur un iClear 30S. On est à 10 watts, une résistance de 2,1 ohms. Et on est sur l'iTest VTR. Ces liquides là, j'ai même pas fait la fiole. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc on a un petit pictogramme pour les malvoyants, mais qui est vraiment, je sais pas, il est inclus directement dans l'étiquette, ou il est en dessous de l'étiquette, du coup on ressent pas super bien, mais on en a un autre au-dessus sur le bouchon, qui est un bouchon sécurité enfant. On a une pipette relativement fine, relativement, et dessus on retrouve les ingrédients. On est sur du 50-45, 45 propylène glycol, 50 glycérine végétale, des arômes et de l'extrait de tabac. On est à 7%, un petit peu moins de 7%. Voilà, on va retrouver le fait que ce soit un échantillon, parce que c'est marqué même sur la fiole directement. Le danger, le pictogramme de la tête de mort, fabriqué en France. On sait qu'il doit être utilisé avant octobre 2016, c'est marqué en toutes lettres. Et on a un numéro de lot. On a le petit pictogramme également pour le recyclage. Bref, on est, je pense, conforme à ce qu'on attend dessus. Les inscriptions, on a une précaution d'emploi, on a l'adresse de Savourea. Bref, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On teste ça donc sur l'iClear 30S. En tout cas, j'ai testé ça sur l'iClear 30S. Mais, alors est-ce que c'est mes résistances qui sont plus terribles? Est-ce que c'est la composition qui fait que j'avais un souci de rendu qui n'était pas, conforme à ce que j'attendais? Donc, j'ai pris le Trident. Un atomiseur Trident, je suis sur l'origine, le clone, hein. J'ai une résistance, je ne sais plus, j'ai double coil, quelque chose comme 1-1-1-2 peut-être, peut-être moins, je ne sais plus, à vrai dire je sais plus. Voilà, on va tester ça plutôt sur du dripper. C'est la première fois que je teste sur du dripper des liquides tabac. C'est pas, je sais pas pourquoi, je voulais pas le faire, enfin, ça me tentait pas. Et finalement, c'est un tort parce que c'est très très bon. Voilà, donc on a une vapeur qui est pour du, en gros, 50-50, hein. Et pas extraordinaire, mais plutôt sympathique. On est sur du 6%.
0,6 de nicotine. Je vais y arriver. 0,6 de nicotine. Et du coup, en dripper, j'ai un petit hit qui est plutôt sympathique, qui est pas trop fort, qui est pas trop bas. Pour du 6 mg, c'est même plutôt étonnant. Chose que j'avais pas sur, sur les clearants, j'avais quasiment pas de hit. Au niveau des saveurs, clairement, on est sur du tabac. Tabac assez marqué, assez fort, assez puissant. J'ai tendance à dire, moi dans ce type de tabac, c'est des ça me rappelle du tabac brun parce que vraiment très marqué. Alors qu'effectivement c'est du blond, mais vraiment très 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 marqué. On a des essences de bois derrière. C'est certain, ça se sent. C'est un liquide qui laisse vraiment la bouche assez sèche, qui donne un goût très un peu fumé. J'aime beaucoup ce liquide, hein. Vraiment j'aime beaucoup ce liquide. Et pour une première fois sur Dripper, je suis carrément pas déçu. Parce que c'est. Voilà, ça prend vraiment toute la. Tout le truc, c'est juste excellent. C'est parfait. Que dire de plus sur ce liquide? Rien, si ce n'est que effectivement c'est un liquide tabac, qu'il est très puissant en bouche, qui vous laisse ce goût tabac en bouche. Je le disais dans d'autres vidéos, il y a une amélioration sur les liquides tabac qui est impressionnante depuis quelques temps. On commence à trouver des saveurs vraiment tabac. Pour ceux qui ont commencé la vape, non pas parce qu'ils ont envie d'arrêter entièrement de fumer ou de vaper, mais qui voulaient un substitut à la cigarette, comme moi. C'est juste parfait parce que je commence à avoir les mêmes sensations, les mêmes feelings. On retrouvera jamais la cigarette, en tout cas dans l'immédiat. Mais là c'est juste excellent. Moi je lui mets 4 à ce liquide parce que il est pas trop fort, il est pas trop. Il est marqué sans être de trop marqué. Il se vape bien. Voilà, le soir, en comité, avec du monde, c'est juste excellent. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Voilà, en attendant, on se retrouve bientôt. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao.